Tous comité olympique américain a annoncé que les membres de la délégation des États-Unis qui se rendront aux JO de Pékin en février devront être vaccinés contre le Covid. En tennis, Antoine Wang s'est incliné face à Peter Goujouak à l'Open de Metz 6-2, 3-6, 6-4. Lucas Pouille s'est imposé face à Braden Schnur 6-3, 6-6, 6-4, 6-4. Andy Murray s'est qualifié pour les quarts de finale en battant Vasek Popilji 6-3, 6-3. Quant au russe Alan Hachen Karachev, il a été éliminé par le Finlandais Emil Ruusunurri à Nur-Sultan 7-6, 6-4. Naomi Osaka, toujours en proie de problèmes d'anxiété, ne participera pas au tournoi d'Indian Wells le mois prochain. La Roumaine Simona Halep a décidé de se séparer son coach australien Darren Cahill a précisé de travailler en commun. Arrivé en 2020 pour annuler en 2020 la World Cup 6, le tournoi d'exhibition cher à Federer va opposer pendant 3 jours l'Europe au reste du monde à partir de demain à Boston. En rugby, le troisième ligne fidjien de Polekima Tajivayu SQ face à Oyu a écopé de 3 matchs de suspension. Il avait percuté le visage de Xavier Mignot avec son épaule. Il sera requalifié à partir du 3 octobre. Le président de l'UBB, Laurent Marty, souhaite prolonger l'ouvrage international Mathieu Gilbert sous contrat jusqu'en 2023. Teddy Thomas, l'ailier du Racing et de l'équipe de France, s'est blessé à une cuisse. Il manquera les prochaines semaines avec son club et peut-être la tournée de novembre avec les Bleus. L'Afrique du Sud passera en octobre, passera par la France en octobre prochain pour observer une quarantaine avant de se rendre en Angleterre. Elle en profitera pour participer à des promotions pour la Coupe du Monde 2023. Le Fidjien Léon Nakatawa deuxième ligne ou troisième ligne devait s'engager avec Luther, mais il a fait son retour à Toulon 2 ans avant l'avoir. 2 ans après avoir quitté le sélectionneur australien de l'Angleterre, Eddie Jones a confirmé qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du Monde 2023. La Fédération internationale du rugby a annoncé que les pleins contacts lors des séances d'entraînement quand les joueurs s'entraînent sans tenue et à pleine vitesse sont limités à 4 minutes par semaine afin d'éviter des multiples blessures.
Actuellement, les gens effectuent 21 minutes de plein contact en plein air lors des entraînements. Elle a estimé que 40% des blessures survenaient lorsque les joueurs s'entraînaient. Après avoir consulté 600 joueurs évoluant dans 18 championnats d'élite, mais ça ne concerne que les équipes à ce niveau de compétition. Clairement, on va tester les nouvelles directives qui recommandent les contacts du contrôle pour éviter les corps à corps faisant preuve de retenue à évoluant en pleine vitesse. Il ne devrait pas dépasser les 40 minutes par semaine. Les phases statistique avec contact, mais mon alignement devrait être limité à 3 minutes sur une semaine. Ces séquences devront être réalisées sur 2 jours seulement au cours de la semaine, avec en particulier des jours de contact, sans contact le vendredi et le lundi, pour accorder des phases de récupération et de préparation autour des matchs. Alors, l'étude réalisée révèle à l'heure actuelle une charge de contact de 78 minutes par semaine. En moyenne, en cyclisme, au championnat du monde, le relais mixte a été remporté par Allemagne, avec la présence de Tony Martin en 50 secondes 49 centièmes devant les Néerlandais, avec Brooke Mollema et Hélène Van Dijk, et à 13 secondes. Il y avait 13 équipes engagées. L'équipe d'Italie a obtenu la médaille de bronze avec Filippo Ganna à 38 secondes devant les Suisses champions d'Europe, avec le champion d'Europe Stéphane King et Marianne Crozier de 5 centièmes. L'équipe de France est 9e. Elle était composée de Chiara Copponi, Marion Borras, Coralie Denis, Benjamin Thomas Denis et Valentin Tobeno. Elle a terminé avec le 9e chrono à plus de 2 minutes 52. La candidature du Rwanda, de la capitale de Kigali, a été retenue pour accueillir les champions du monde de ski 2025. C'est la première fois qu'ils auront lieu en Afrique. Michael Honoré a prolongé son contrat avec Adekwami Quick-Step jusqu'en 2023 en NBA. Les Timberwolves de Minnesota se sont séparés du directeur sportif colombien Gerson Rosas 3 semaines avant la reprise de la NBA. À une semaine de camp d'entraînement, il avait été engagé en mai 2019
Après avoir passé 16 ans du côté de Rocket de Houston, il avait atteint la fonction de vice-président des opérations basket. Il fut aussi manager général des Mavericks de Dallas en 2013. Les Timberwolves ont connu une saison difficile et la saison dernière avec 23 victoires et 49 défaites. Parmi les principaux candidats pour recruter Ben Simmons, le joueur des Sixers de Philadelphie, le joueur a informé à Philadelphie qu'il voulait partir, mais Doc Rivers veut le retenir. La franchise a pointé à Shachin Gupta, actuel vice-président des opérations de basket, pour jouer l'état intermédiaire en attendant de trouver un successeur. Paris Basket a obtenu son billet pour les 32e de finale de Coupe de France en battant Angers 94 à 80. Chalon-sur-Saône a été éliminé dès les 64e finale par Vichy Clermont 80-82. Foix-sur-Mer a battu Saint-Vallier 82 à 76. Bourges en Euroligue féminine, Bourges ne va pas disputer la phase finale de groupe. Ils ont été battus face aux Italiens de Sceaux 69 à 57 en Eurocoupe, ils étaient sur 26. Ils avaient participé à 26 aux 26 dernières éditions. En la gagnant 3 fois en 97, 98 et 2001. Alors que l'instance avait demandé dans un premier temps au club de Monaco de migrer à l'Azur Arena d'Antibes, Monaco a finalement obtenu de l'Euroleague une dérogation et pourra dans un premier temps évoluer à Gaston Médicine, la salle habituelle pour les matchs de compétition européenne. En Formule 1, Ferrari a annoncé que le moteur de Charles Leclerc sera changé pour le Grand Prix de Russie. Il partira dernier. Le Grand Prix de Monaco se disputera désormais sur 3 jours et plus sur 4 jours, a annoncé Stefano Domenicali. Nikita Mazepin et Mick Schumacher ont été confirmés par l'écurie As en bas. Saint-Valentin Porte, blessé au doigt, Hugo Desquin au coude, Gilberto Duarte aux adducteurs et Lucas Moscardiol Riolo à la cheville. Montpellier a été battu 36 à 28 en Ligue des Champions face aux Danois d'Aalborg, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Non. Pour tenter de rejoindre Nantes en phase de poule de Ligue des Champions, de Ligue européenne, 3 clubs français étaient en lice par un deuxième tour de qualification.
Face à ma mue 30 à 24 et Aix-en-Provence, après ma tenue 27 à 27, face à Arendal, les matchs retour se joueront le 28 septembre prochain. De son côté, Nîmes s'est imposé face au CSKA Moscou 36 à 29. Tandis que Aix-en-Provence s'est imposé face à Toulouse. Non. Imposé face à Mamu 30 à 24. En balle, en lutte, Lionel Lacaze, président de la Fédération française de lutte, a annoncé une nouvelle organisation de haut niveau. Yvon Régnier est nommé manager général et entraîneur Christophe Guénot, Gréco-Romain et Didier Paris sont confirmés tandis que Grégory Ferreira s'occupera de la lutte féminine en posant extrême. À noter la 42e victoire de Guy Hunt qui décroche son 9e titre mondial lors de la 4e étape du Rébussif Diving dans les Pouilles, l'avant-dernière manche de la saison. Il conserve son devant son principal concurrent pour le titre romain, Constantin Povic. Povici, tandis que chez les femmes, Riman Ifid a confirmé sa suprématie en restant invaincu comme en 2019 et s'est offert un 5e titre mondial devant le duo canadien Jessica Makunani et Monique Carlson. C'est la 12e victoire consécutive sur le circuit des hommes. D'une performance de 25 mai pour un plongeon à plus de 85 km/h. Chez les femmes, c'est 21 mètres, je vais moi sur ma chaîne YouTube.